fresques vivantes peintes sur la terre. Elles se déroulent, se transforment. Elles s'agrandissent sans cesse, jour après jour. La richesse de la nature, son abondance, semble parfois inépuisable. Nous sommes entourés de plantes. Quelles que soient les conditions climatiques ou géographiques, les plantes ne cessent de s'épanouir, tout en renouvelant sans bruit la surface de notre planète. Devant cette multitude colorée, diverse, que l'on découvre au printemps sur le flanc d'une colline, ou au cœur d'une forêt de géants immobiles, on reste songeur, ne serait-ce qu'un moment, devant l'infinité de petits miracles qui ont donné la vie à tant de splendeur. Durant les minutes qui vont suivre, nous allons nous aventurer dans des lieux tantôt familiers, tantôt exotiques, et entreprendre un voyage dont peu d'hommes ont été témoins. Le voyage fantastique de la survie des 80% de la végétation terrestre et de la distribution de cette végétation aux quatre coins de notre planète. Il s'agit là du voyage d'une graine qui va répandre la vie sur la Terre. En ce moment même, à des milliers d'endroits différents, les préparatifs du départ sont bien avancés. Chacune des particules qui sont collées par milliers aux antères de ce coquelicot est un passeport indispensable au voyage. Ce sont les grains de pollen, catalyseurs du miracle de la formation de la graine. La pollinisation. L'abeille récolte le pollen, puis le transporte au cœur de la fleur. Une succession fascinante d'événements, encore rarement observés, est alors déclenchée. Grâce au microscope et à la photographie image par image, nous pouvons observer de plus près le grain de pollen. Porteur de la moitié du code génétique de la future plante, le grain commence à germer. Il lance un filament tubulaire à l'intérieur de la fleur. Sa destination ? L'ovaire du coquelicot. À l'intérieur de la chambre close, les ovules par centaines attendent un des instants les plus solennels de la création. Observons à nouveau l'union du grain de pollen et de l'ovule qui se révèle à nos yeux. Guidée par un mystérieux sens de l'orientation, la trompe s'allonge en direction de la paroi de l'ovule non fertilisé. L'étincelle de la vie a jailli. Tandis que la fleur se fane, l'ovaire et son contenu mûrissent. Il ne reste plus que la cosse qui témoigne de la formation achevée de la graine. Chez plus de 100 000 autres espèces de plantes, un cône, un fruit ou une cosse mûre apporte toujours le même témoignage. Alors, à l'instant fatidique, s'offre aux yeux du monde en trésor de graines. Chaque graine renferme l'embryon d'une plante vivante et la promesse d'une nouvelle génération. Mais pour que cette promesse d'abondance se concrétise, les graines devront trouver leur chemin vers des terres propices à leur croissance. Le décor installé, la graine fera son entrée dans le monde. C'est du voyage de ces graines que va dépendre la vie sur la Terre. Ce voyage aux mille périls est souvent facilité par la main de l'homme. Poussé par le besoin de se nourrir, de se vêtir et de s'abriter, l'homme a semé la graine et a récolté en abondance partout où la civilisation a pris racine.
Mais au-delà du domaine de la machine et du labeur, une histoire bien différente se déroule. Car c'est ici, parmi la grande majorité, souvent ignorée, des plantes à graines, que le voyage de la vie prend sa place dans le temps. À tous les niveaux de la nature, l'acte banal d'une graine qui se disperse révèle un mécanisme dont la complexité échappe au regard distrait. À travers les préparatifs minutieux de cette mission qui doit à tout prix réussir, les forces créatrices de Dieu se manifestent d'une manière fort singulière. Pour entrevoir une lueur dans l'obscurité de ce mystère, il suffit de baisser les yeux et de contempler un simple brin d'herbe à ses pieds. Dans un champ de folle avoine, les préparatifs de la graine sont surprenants et pas moins efficaces. Observez attentivement les minces filaments attachés à l'extrémité de chaque graine. Ce sont des barbelures possédant chacune un mécanisme délicat, très sensible au changement d'humidité. Examinez le comportement des épis qui sont soumis à des brusques alternances de sécheresse et d'humidité. D'abord, l'air chargé d'humidité provoque une réaction. La barbelure se dresse sur la graine. Puis, au contact de l'air sec, elle se rabaisse. Après plusieurs jours de contorsion, la barbelure et la graine s'extirpent de la plante. Mais une fois au sol, les barbelures continuent de réagir aux intempéries. C'est alors que commence un étonnant voyage. Par la magie de la caméra, l'action est accélérée, mais elle n'en est pas moins réelle. Sous la poussée mouvementée des barbelures, les graines se trouvent non seulement propulsées sur le sol, mais pour faire bonne mesure, elles se plantent d'elles-mêmes dans la terre. Ainsi, le voyage de la vie se poursuit, cas à cas. Dans un parterre d'oxalis, les préparatifs sont quelque peu différents, mais pas moins ingénieux. Cette mince capsule, qui ne dépasse pas les 3 cm de hauteur, a peut-être élu domicile dans votre jardin. C'est le fruit de l'oxalis. Il sert de réceptacle à plus d'une douzaine de graines. Cette fois-ci, regardez bien la membrane externe qui protège le fruit. Le mécanisme vivant de cet organisme est à nouveau accéléré par la caméra. À la maturité de la graine, la fine membrane externe se déshydrate et se contracte, tandis qu'une membrane interne s'hydrate, se gonfle et double de volume. Sous l'effet d'une pression colossale, la membrane externe se déchire et libère avec force les graines qui sont projetées hors du fruit à une vitesse dépassant 45 km à l'heure. La vie est ainsi littéralement propulsée dans le monde. Chez le genêt, originaire de l'Europe de l'Ouest et répandu sur toute la côte pacifique de l'Amérique du Nord, le mécanisme de dispersion est encore plus percutant. Quand la fleur jaune se fane, les cosses qui demeurent se préparent graduellement à distribuer leurs graines. Au cours des mois d'été, les cosses mûrissent et sont exposées à de longues périodes de chaleur.
Les semaines passent et l'Écosse se dessèche. Leurs membranes sont alors soumises à des tensions extrêmes. C'est le prélude d'une des ouvertures les plus explosives de la nature. Sous l'explosion des cosses du genêt, les graines sont propulsées jusqu'à 15 mètres. Les animaux et les graines. Quand leurs mondes se croisent, le voyage de la vie reprend son élan. Ces enfants poursuivent un chien sur le flanc d'une colline où poussent des queues de renard. Leurs pas ou leurs faux pas déplacent autant de graines crochues qui sont transportées plus loin. Une poule d'eau se dandine le long d'une rivière. Les larges palmes de cet oiseau offrent aux centaines de graines enfouies dans la vase un moyen de transport idéal. Ici, les cosses barbues de la bardane attendent le passage d'un bœuf. Autostoppeurs aux doigts crochus, ils vont voyager clandestinement pendant peut-être des kilomètres jusqu'à leur nouvelle destination. Les méthodes de dispersion sont infinies. Mais quel que soit le moyen de transport utilisé, le choix n'est pas l'effet du hasard. La graine fut créée pour être dispersée. C'est avec l'aide d'un chien, d'un bœuf ou d'un oiseau affamé perché sur un chardon que le voyage de la vie et le dessein complexe de Dieu poursuivent leur cours. C'est peut-être au cœur de la forêt équatoriale de l'Amazonie que les rapports étroits entre les règnes animal et végétal prennent leur véritable dimension. Sous cette voûte feuillue, oiseaux, mammifères et poissons concourent à distribuer les graines à travers 2,5 millions de kilomètres carrés de végétation et de cours d'eau inextricables. Pour être du voyage, la plupart des graines doivent miser sur deux de leurs attributs les plus banals et les plus efficaces. Leur résistance à être digérée et les coloris attrayants du fruit qui leur sert d'enveloppe. Ces emballages appétissants sont souvent avalés tout entiers et leurs graines sont évacuées par la suite, après avoir séjourné intactes dans l'estomac d'un oiseau. Les arbres regorgent de fruits et les cours d'eau qui coulent à leurs pieds sont de bien pauvres sources de nourriture. Dans sa cachette, le piranha est aux aguets. Ce carnivore notoire consomme aussi d'énormes quantités de fruits. Avec l'aide du singe araignée, les provisions sont toujours disponibles. Par la suite, à l'instar des oiseaux, le piranha émigrera à des centaines de kilomètres, évacuant au passage des graines intactes. Ainsi, par le jeu quotidien du cycle d'échanges alimentaires, la vie se glisse au cœur de ces forêts impénétrables. Pour remuer les graines dans le sol, la nature a mis au point des méthodes encore plus directes.
colonie de fourmis rouges peut à elle seule découper, arracher et déplacer plus de 7000 graines en une seule journée. Mais elles ne seront pas toutes ramenées au nid. D'infimes particules semées à tout vent dans un univers dangereux. De ces milliers de graines dispersées à chaque instant, un très petit nombre survivra pour donner la vie qu'elles renferment. Cette course d'endurance est dominée par un étrange paradoxe. Les forces de la nature peuvent d'un souffle anéantir la graine. Pourtant, tant de puissance joue souvent un rôle crucial dans la préservation du cycle miraculeux de la vie. L'Odyssée d'une noix de coco, par exemple, nous fait vivre cette lutte éternelle de façon saisissante. Pouvant peser jusqu'à 10 kilos, cette coque exceptionnelle est conçue pour voguer sur les flots, à plus de 1000 milles en pleine mer. La noix de coco est l'une des graines les plus grosses qui soient. Elle est capable de résister aux randonnées aquatiques les plus mouvementées. Le secret de sa survie, l'air contenu dans sa coque externe. Sans ce flotteur naturel, la graine comestible se remplirait d'eau et sombrerait au bout de quelques jours. Ainsi équipée, la noix de coco peut séjourner à la surface de l'eau pendant plus d'une année. L'embryon de sa plante est protégé contre les attaques mortelles du sel marin. Le voyage n'est pas toujours une croisière. Mais non seulement la noix de coco est-elle conçue pour résister aux lames et aux courants, elle peut aussi compter sur ses éléments naturels comme autant de moyens de transport pour acheminer vers des rivages lointains la vie qu'elle renferme. Les côtes de trois continents avancent nuit et jour à un rythme tranquille et résolu, à la recherche d'un lieu propice où elle jettera l'ancre après un voyage pouvant couvrir tout un océan. Pénétrons dans le royaume de cette étrange embarcation à la découverte de la vie. Bordant les rivages de l'Afrique de l'Ouest et de l'Amérique du Sud, se dressent des forêts de palétuviers, une espèce d'arbre tout à fait surprenante. Ces plantes sont appelées halophytes. Elles vivent dans l'eau salée. Cette caractéristique peu commune est essentielle non seulement pour les arbres eux-mêmes, mais encore pour les diverses formes de vie sauvages et exotiques qui ont vu le jour dans ces feuillages et ces racines.
En florissant là où bien peu de plantes pourraient survivre, le palétuvier sert de fondation à un système écologique tout à fait extraordinaire. Mais la façon dont cet arbre perpétue sa propre existence est encore plus fascinante que la vie qui dépend de lui. Cette plante qui ressemble à un fer de lance possède la clé de l'avenir du palétuvier et détient aussi le secret de son passé. Atteignant une longueur de 15 à 20 cm, elle bourgeonne et croît sur la branche à partir de la graine d'un petit fruit coriace. Une fois qu'il est mûr, le jeune plant a plus de chance qu'une graine de prendre racine dans un environnement instable et boueux, balayé par les courants. Mais c'est lorsque le plant ne parvient pas à se fixer au pied de l'arbre que le voyage du palétuvier commence véritablement. À l'instar de la noix de coco, les jeunes plants de palétuvier sont équipés pour de grands voyages d'endurance. En effet, ils ont une longévité d'une année, parfois davantage. À la faveur des courants équatoriaux, on les a même vus traverser l'océan Atlantique. Peu à peu, la base prend l'eau, mais l'embarcation corrige sa position et poursuit son chemin. Après plusieurs mois de dérive, une petite racine fait son apparition. Et, un beau jour, le voyageur intrépide touche terre sur un banc de sable. L'arbrisseau croît très vite. Et tout en se développant, ses racines retiennent de grandes quantités de débris et de limons qui formeront de vastes étendues nouvelles de terre. Au fil des années, la famille de palétuviers, ainsi que le rivage qu'elle a créé, s'avance dans la mer. Végétation se lance sur les chemins de la vie. Des routes se multiplient, les ressources divines sont intarissables. Ses cheveux d'ange, emportés par le vent, sont des graines de l'étron. Comme bien d'autres graines aériennes, elles s'envolent à la recherche d'une terre favorable à leur croissance. Dans un bouquet de pissenlits, les préparatifs de vol sont achevés en quelques jours. La tête pomponnée d'un pissenlit. À l'abri, dans cette forêt de parachutes et de cosses,
La plante semble insouciante des dangers qui menacent sa survie. Le monde extérieur est une toute autre réalité. Un monde végétal qui lutte impitoyablement pour un petit coin de paradis. Ici, le succès de la dispersion d'une graine va dépendre de la distance qu'elle est capable de franchir, loin de la plante mère. Par un matin pluvieux, les longs parcours aériens sont rendus difficiles par l'humidité et la lourdeur de l'air. Les parachutes du pissenlit réagissent à de telles conditions. Chacun est équipé d'un détecteur d'humidité et d'un mécanisme de fermeture automatique. Les risques d'un décollage catastrophique sont ainsi réduits. Le jour passe et les conditions météorologiques s'améliorent. On ouvre son parachute. C'est l'envol de centaines d'ailes arachnéennes. Les parachutes ouverts tiennent bon dans la brise légère. Il existe une beauté délicate dans l'union du vent et de la plante à graines, une beauté parfois masquée par l'ampleur de la nature, mais qui, une fois découverte, nous donne un nouvel aperçu de l'œuvre divine. Les fleurs du bougainvillier sont autant d'ailes écarlates conçues pour transporter les graines sur terre comme dans l'air. Cette autre plante, appelée monnaie du pape, fabrique, quant à elle, des petits sacs en papier pour contenir et disperser ses graines minuscules. Cette plante vagabonde de la famille des amarantes roule sa bosse à travers les grandes plaines du monde. Elle est synonyme de voyageur aérien. Symbole familier de l'Ouest indompté, l'amarante sauvage a laissé une marque indélébile sur chaque continent. Et sa dispersion en Amérique fait partie de la légende de ce pays. Il y a moins d'un siècle, l'amarante sauvage n'existait pas en Amérique du Nord. Puis, au printemps 1886, un petit nombre d'immigrants russes débarquent au port de New York. Ces travailleurs de la terre furent vite attirés vers les prairies du Dakota par la promesse d'un sol fertile et d'un prêt gouvernemental. Ils avaient apporté de Russie une cargaison de graines de lin qui, une fois semées, allait changer la face de tout un continent. Au moment de la moisson, un autre immigrant clandestin fit son apparition sur le sol américain. Dans les sacs, d'autres graines avaient été involontairement mélangées aux graines de lin. Et l'amarante sauvage avait été semée par inadvertance. On devine facilement la suite de l'histoire. Au départ, un accident dans le Dakota du Sud. Peu après, c'est l'invasion spectaculaire de l'amarante dans tout l'ouest de l'Amérique et du Canada. De forme sphérique et d'un poids léger, l'amarante adulte transporte avec elle plus de 250 000 graines. Et sa racine unique se décompose et faiblit jusqu'à ce que l'énorme cargaison soit mûre et prête à voyager.
Le succès ou l'échec du voyage de la vie dépend de deux facteurs. La liberté de mouvement de la graine et sa résistance aux dures épreuves de la route. La graine ailée du pin ne pourrait survivre si Dieu n'avait pas prévu pour elle une destinée hors du commun. Son histoire commence dans une forêt de l'Oregon grâce à une création humble et merveilleuse. La pomme de pin est l'un des fruits les plus durs qui protègent le mieux leurs graines. Elle pousse en grappe sur les grosses branches de l'arbre ou à même le tronc. Cette coquille de forme singulière possède une qualité peu commune aux autres fruits. Elle refuse de s'ouvrir pour libérer ses graines d'une année à l'autre. Elle demeure scellée dans une forteresse impénétrable. Les coups de marteau n'en viennent pas à bout, ni même les prédateurs friands de graines. Rien ne semble troubler la pomme de pin, ni le temps, ni les changements de climat. Le fruit conique reste enserré dans son étau des années durant, voire des décennies. Une seule force au monde aura raison de ce fruit. Sous l'effet d'une chaleur intenable, une étonnante succession d'événements est déclenchée et la pomme de pin finit par lâcher prise. Mais l'ouverture est partielle et une vapeur gazeuse est émise grâce à laquelle la plupart des graines sont protégées des flammes meurtrières qui les menacent à quelques millimètres de la branche. C'est seulement après l'incendie que les fruits calcinés s'ouvriront entièrement. Et le miracle de la renaissance d'une forêt se manifeste. Elles détiennent le pouvoir de faire renaître toute une forêt détruite. Elles déposent la vie sur un rivage stérile. Chaque jour, les graines renouvellent, enrichissent et nourrissent notre planète, en donnant la vie à la végétation. Chaque graine renferme la force créatrice que Dieu lui a impartie et s'acquitte de la tâche sacrée qu'il lui a confiée. Elle apporte l'étincelle de la vie sur cette terre. Au cours des minutes qui viennent de s'écouler, nous avons contemplé la nature et observé la multitude de graines qui sont dispersées à travers le monde. Pour chaque graine, le but du voyage est toujours le même. La découverte d'une terre propice à sa croissance, d'un climat qui lui fera un bon accueil et qui nourrira la vie qu'elle renferme. Mais cette histoire ne s'achève pas sur les rivages d'un lac, ni sur le flanc d'une colline. Car il existe une autre graine, dont le voyage est bien différent. Cette semence a le pouvoir de transformer
non pas de vastes étendues de terre, mais le cœur des hommes. Cette graine, c'est la parole de Dieu. Chaque jour, à travers la Bible, la vie éternelle qu'elle renferme est dispersée dans le monde. À tout homme, toute femme et tout enfant qui l'écoute, la parole de Dieu permet de renouveler, d'enrichir et de nourrir une vie stérile et vide, n'importe quelle vie. En ce moment même, qui que vous soyez, où que vous vous trouviez, la parole de Dieu se manifeste. Elle a le pouvoir de changer radicalement le cours de votre existence. Et, pareil à la graine d'une fleur sauvage ou à un brin d'herbe, elle fleurira partout où elle sera accueillie et nourrie. Une seule question se pose. Lui ferez-vous bon accueil? Si vous êtes animé du désir sincère de connaître Dieu, de goûter aux fruits qu'il nous offre à tous, alors ouvrez votre cœur à sa parole, afin que s'allume au fond de vous la vie éternelle.